regarder devant vous. C'est plus beau que le Grand Canyon. Vous êtes à pied, vous allez tranquillement, vous allez le long de la route. En général, ça vous risque rien parce que les voitures circulent doucement. Et là, bien entendu, il y a tout le temps des gens à pied. Au revoir. Alors, je veux vous montrer l'évêque. Regardez en bas, la montagne qui descend comme ça sur la gauche. Et tout à fait en bas, vous avez un rocher qui est tout seul, qui monte comme ça. Hein, vous le voyez? Regardez l'évêque avec sa canne à la main. Non, mais je veux montrer le cœur. Le cœur. Je sais ce qu'il faut faire. Alors là. Voilà. Alors maintenant. Regardez sur la gauche, en bas, c'est gorge. Il fait une pointe. Bon, vous descendez sur la gauche doucement. Regardez, vous voyez le nez pointu, montant pointu, les cornes au-dessus. Là-bas. Un peu plus bas, vous avez l'ours. Regardez, plus bas, vous descendez un peu, vous avez l'ours qui tourne la tête. Oui, un peu plus bas. Juste un peu plus bas que les choses. Oui, toujours le côté gauche du rocher, juste en dessous. Toujours le même rocher. Vous descendez là, sur la gauche. On le voit la tête comme ça. Alors tout à fait en haut là, je vais vous laisser un peu ici là, et vous descendez à pied jusqu'à l'auberge en bas, à l'auberge en bas, voilà. Allez, à pied. Ce curieux paysage est dû à une forme d'érosion présentant des cavités sphériques appelées taphonies. La roche est sujette à une dissolution chimique et une altération par l'eau d'infiltration.